mec. Bah, je suis dans une galerie d'art là. Ouais. Oh putain! Ouais, désolé, je m'en remettais la mèche. Ouais. Alors, tu vois, tu prends une cervelle, tu la roules dans la farine, et ensuite tu la fais frire dans le beurre. Mais faut pas la cramer, faut faire super gaffe, quoi. Mais alors, ce qui est le plus important, tu fais attention qu'il y ait une croûte qui se mette autour, comme ça il y a un contraste entre le croustillant de l'extérieur et le fondant de l'intérieur, c'est... Oh. Et puis tu accompagnes ça de petits champignons, même de champignons en sauce, ou de frites. Ça met en appétit. L'œuvre d'art, un trou dans la réalité. C'est la réalité de l'objet qui refuse l'illusion. Mais le sang de Jésus-Christ coule. Le trou noir absorbe notre pathétique existence. Le monde n'a pas de sens. La fondamentale analyse de l'existentialisme réduit à l'exaltation, l'exhibition, la chute. Tout et rien n'est qu'un trou noir. Voilà, le meilleur, c'est de prendre la cervelle bien fraîche. Vraiment, ça supporte pas, tu vois que ça attend un peu sur l'état du boucher, c'est pas possible. Il faut que ce soit super frais. Et puis, tu verras, on essaiera ça ensemble, c'est exquis, vraiment. Mais c'est Gonzalez, oui. Tu sais, l'amateur d'art. Mais vas-y, ma cocotte, lui, c'est un bon parti, hein. Montre-lui que tu es l'art. Oui, c'est cela, très intéressante. La cervelle, l'existence pathétique de la cervelle, du trou noir coule le son, le trou de la frite, oh, le monde aux champignons sauvages. Oh. Du très bon champagne.